nous constatons comment le pays a effondré. Chaque jour plus, nous avons mouru en bas de bandits sans foi ni loi. L'État haïtien failli à mission. Quand les taux de façon augmenté, le peuple n'a pas de pouvoir d'achat, c'est la vie chère, grand goût, insécurité, phénomène kidnapping qui va jamais camper parce que pas de l'État et pas de gouvernement qui peut camper phénomène insécurité et kidnapping. Qui donc, après plusieurs jours de réflexion, deux journées d'atelier, plus de 27 partis politiques avec organisation sociale, parmi les partis politiques, il y a une solution. PAM, PAAM, Consortium, GHPC, Grandi, Foul, GD, DH, NODRA, CNPPH, WON, Conscience Citoyenne, ACD, ENPPH, OCOD, JPL, PAMI, je ne vais pas citer les 27 ans, mais pas les 50 ans, parce qu'il y a un pile, il y a un CONAMICIN, MOVI PLENA, FONDEBOU, FEDEPA, ONAFA, MODO, INAFOD, un pile d'autres encore. Qui donc, qui te réunit pendant deux journées ça, pour nous être capables de sortir une proposition, de sortir de crise. Qui donc, je ne dis pas, nous disons que le réveil là, c'est un outil politique qui nous dit, qui va permettre que pour nous dire les arrivées pour situation changer, les arrivées pour que la sécurité soit capable de payer, les arrivées pour que l'autre bon, État et de gouvernance soit payer. Parce que je vous dis, tout le monde a réfléchi, tout le monde a critiqué la mauvaise gouvernance qui est en pays. Nous ne pouvons pas supporter ça, nous ne sommes pas d'accord, je vais aller. Qui donc, après plus de 24 mois de gouvernance, là, je ne dis pas, le peuple a dit c'est assez, Abraham dit c'est assez, nous ne sommes pas capables encore. Dans ce sens, le réveil national, là, dans tout le pays d'Haïti, qui est établi dans quatre pays d'Haïti, et bien nous venons dire, peuple haïtien, je ne dis pas, faut que nous allons goûter pour nous sortir de la race économique que nous avons là. Nous allons goûter pour que nous notre état de droit dans le pays. Nous allons goûter pour que ça change. Nous allons goûter pour nous dire, les arrivées, il faut qu'elles. Haïti, Karadosou, pour que les jeunes ne soient pas courus quitter le pays, aller dans leur pays, pour retourner dans le pays. Pour le monde, madame Mathieu, continuer le canal et fouiller fiscal toujours. Pour M. Bessabio, continuer à supporter. Parce que déjà, nous commençons à prendre dignité nous, la bataille pour nous reprendre la souveraineté nous, mais c'est dans nous-mêmes, dans l'unité, ça a fait ensemble pour nous capables de dire Haïti. Qu'on est à son autre bord, côté que nous avons dit vraiment à bien production nationale en deux pays, à côté de tout petit pays à manger. Qui donc, nous, pour faire place avec nous, ne pouvons pas parler, qui c'est M. Fidel Chérizier, qui doit présenter la proposition sortie de crise de réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Bon, comme la presse parlait écrit télévisé, au responsable du réveil national, Haïti tout entière, bonjour. Suite à l'intervention faite par notre secrétaire exécutif, à la personne Abel Loristan, je prends la parole en qualité de porte-parole, moi, Fitner Cerisier, pour proposer au nom du réveil national la proposition de sortie de crise du réveil national pour la souveraineté d'Haïti. L'an 219e de l'indépendance d'Haïti, le peuple haïtien, par la voix du mouvement politique dénommé Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, tire la sonnette d'alarme pour se faire entendre haut et fort. Depuis 1986, le pays se trouve dans une situation infernale d'ingouvernabilité, ce qui a occasionné à son tour une crise sociétale. Réveil se définit et s'impose comme une force politique et sociale non négligeable. L'expression de la volonté populaire pour faire passer chacune des revendications du peuple haïtien. Soit par la voie électorale,
soit par tout autre consensus de bonne gouvernance visant les vrais problèmes de la population. Surtout et avant tout, le retour à l'ordre constitutionnel et à la sécurité de chaque vie et des biens. Depuis l'assassinat crapuleux du président en exercice Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, a plongé le pays dans une crise sans précédent qui paralyse le fonctionnement régulier de l'État, anéantit l'autorité de l'État, incapable d'enrayer le phénomène de l'insécurité qui fait rage sur tout l'étendue du territoire national. Préoccupe la communauté internationale qui entend nous accompagner dans la résolution de la crise. Considérant, le Premier ministre et nombre d'acteurs politiques ont paraphé plusieurs accords, tels l'accord 11 septembre, l'accord 21 décembre 2022, ne donnant lieu à aucun dénouement de la crise sociopolitique aiguë qui sévit dans le pays. Considérant l'échec du Haut Conseil de transition HCT dans sa tentative de respecter l'article 5 de l'accord du 21 décembre 2022, considérant que les pourparlers entre les représentants des différents organismes internationaux tels l'ONU, l'OEA et la CARICOM et certains acteurs de la classe politique n'ont pas été fructueux, peine perdue. Considérant la prolifération des gangs et des groupes armés, terrorisant en toute quiétude la population haïtienne et les citoyens d'outre-mer, sous les impuissants et complices des autorités. Considérant la confusion régnante exige un plus large consensus et un dépassement entre les citoyens pour adresser les problématiques. 1. De l'insécurité, notamment le kidnapping, le vol, le viol et l'obstruction à la libre circulation des personnes et des biens. 2. Du dysfonctionnement du système judiciaire. 3. Des milliers de femmes, d'hommes et des enfants qui ont dû fuir leur quartier envahi par des bandits lourdement armés ou prendre refuge dans des camps de fortune, place publique, école, église, etc. 4. De la répartition des infrastructures détruites lors des catastrophes naturelles, notamment le palais national, détruit lors des tremblements de terre de 2010 ou encore 2010, et les milieux bâtiments fragilisés encore habités par les propriétaires. 5. De la réforme constitutionnelle. 6. De la justice sociale dans le rétablissement de la vérité historique. 7. De l'organisation des procès pour crimes financiers et crimes de sang, généralement quelconque. Considérant l'actuel Premier ministre, de fait, Ariel Henry se révèle incapable de juguler la crise, voire d'organiser les élections. Fort de toutes ces considérations, après 2 jours de retraite, le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti adopte et propose à la nation un plan de sortie de crise avec un pouvoir exécutif bicéphale présidé par un haut conseil présidentiel et un premier ministre. Point d'attente. Mise en place d'un conseil présidentiel composé de 5 membres choisis comme suit. Les 3 membres du haut conseil de transition, HCT, un représentant du Grand Nord, un représentant du Grand Sud. Mission principale du gouvernement. La sécurité, rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. 2. Adresser les grands problèmes économiques et sociaux afin de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections générales inclusives et transparentes. Petit A. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement en application de la feuille de route. Petit B. Les fonctionnaires de l'administration seront nommés sur la base du mérite et non en représentativité de leur chapelle politique. Ce, conformément à la loi sur la fonction publique. C. Renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en mettant beaucoup plus d'emphase sur l'unité de lutte contre la corruption ULCC, l'unité centrale de renseignement financier UCREF et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA.
feuille de route de la transition. 1. S'assurer de la libre circulation des citoyens, des biens et des services sur toute l'étendue du territoire. A. Renforcer de la capacité opérationnelle des forces de sécurité du pays. B. Rétablir du climat d'apaisement sur tout le territoire national, particulièrement dans les zones de non-droit. C. Sécuriser les vies et les biens sur toute l'étendue du territoire national. D. Garantir l'approvisionnement régulier du marché en produits de première nécessité, dont les produits pétroliers. 2. Lutter contre le trafic illicite, la contrebande et l'insécurité. 1. Contrôler rigoureusement les ports, aéroports et postes frontaliers. F. Renforcer la capacité de perception de l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts. G. Gérer de manière rationnelle des recettes des organismes autonomes tels APM, AN, OFNAC, etc. H. Redresser l'administration publique en passant par la lutte contre le clientélisme et le népotisme. 3. Procéder à la formation d'un conseil électoral. Telle est, mesdames, messieurs, pour vous, la proposition de sortie de crise du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Réveil national. Réveil national. Réveil national. Réveil national. Mais déjà, nous faisons place à notre président.